Salut à tous les gars, c'est Axe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore et toujours sur le Tour d'Italie. Donc on se retrouve pour cette sixième étape. Assez vallonnée on va dire, mais qui se finit, oui, assez pentue. Où Giacomo a intérêt de s'accrocher. Avec une arrivée sur du plat, c'est pour ça qu'à mon avis cette étape est considérée comme une étape de plat. Donc on va essayer de faire tenir Giacomo, qui normalement devrait tenir. Et Zoidel qui va protéger notre ami Ryder Reichdal. Hop là, c'est tout ce que je demande. Par contre, il n'a pas une très grosse accélération, hein. Je sais pas si ça va vouloir la laisser sortir derrière moi. Ouf. Ça roule très fort en plus avec Tankin. Ouh, quadri de l'âge. Qu'est-ce que tu veux, oh, ça laisse partir. Donc à mon avis le peloton laisse partir les grosses échappées maintenant. Bon, c'est bien pour nous. Ou pas. Ou décide de se réveiller 30 ans après. C'est à choisir. Surtout que moi je suis un vrai grimpeur là. Tenkin il va lâcher au bout d'un moment son maillot. C'est col de à ces pourcentages là. Je pense pas qu'il arrive à les tenir. Aux Zeidel, je laisse un peu. Et à qui a un bon niveau en montagne après. Au cas aussi. Il est pas très bien placé. Hein. Bon, on arrive dans. Du coup, excusez-moi les gars, je vous ai pas beaucoup parlé, mais on arrive dans la colle de Selvotte d'Ipopoli avec un très gros pourcentage. C'est pour ça que je parlais de Tankin. Je me demandais qu'est-ce qu'il foutait là. Et là, ça va commencer à piquer. Hein. C'est pour ça Nizzolo a intérêt de s'accrocher dans cette bosse là. On va faire l'effort curseur. Hop là, parce que là, ça veut se cramer. Je les laisse cramer tout seul, moi. Kadri qui fait des gros relais. Moi, je m'accroche au curseur. C'est ce qu'il faut faire, les gars, quand c'est comme ça. Hein. Parce qu'ils veulent résister à l'effort du peloton, mais ils vont se cramer tout seul. Enfin, comme vous voyez, le mec de la Russe Vélo à côté de moi, il se crame tout seul. Alors que moi, je gère à l'effort curseur. Hop là. Avec Didier. Hop là. Oui, il s'accroche quand même le mec de la Russe Vélo, mais évite de me bloquer, s'il te plaît. On arrive dans les plus gros pourcentages. Voilà, regardez. Plus gros pourcentage, ils sont tous à l'arrêt, à part moi qui roule tranquille. Ils sont tous en train de forcer sur les pétales. À part Didier qui monte tranquille. Kadri qui fait style, à mon avis, parce que. Hop là. Hop là, Didier qui allait m'a l'air très bien dans le point. Derrière, ça fait que clignoter. Giacomo, accroche-toi. C'est le seul truc que je te demande, au pire tu piqueras un train. Hop là, Didier qui. Ouais, passage à 12% comme il a remonté. Oh, attaque, attaque à 2 km. Oh, c'est loin. Ouais, le mec il s'est cramé avant même. On va essayer. J'ai peur de le cramer en fait. J'aurai des points. Hop là. Voilà, donc les gars, on se retrouve au grimpeur de catégorie numéro 4. Ciao, à de suite. Bon les gars, on se retrouve donc à 52 km de l'arrivée, à 12 km du col de 4e catégorie. On arrive. Oh, on va enlever le x8. On arrive sur ce boss de 4e catégorie. Après ça, il restera plus beaucoup de kilomètres. Avec un gros pourcentage. On pourrait essayer de tenter un coup avec un Fabian Cancellara. Pense que j'ai essayé de tenter le coup. Ça peut être intéressant. Mais on ne reprendra pas à 6 minutes 29, sûr. Mais ce sera une victoire d'étape. Ou ça me gâche un coureur de cette qualité pour emmener Nizzolo. C'est à moi de voir.
comme vous voyez, c'est assez dur et Cancellara un assez bon et surtout gros rouleur. Et ils sont quand même trois devant. Avec vos renards, Timer et Pirate. Perdi qui craque? Bizarre ça. Ouais, il a la moins bonne accélération. Ça peut toujours se tenter parce que on va faire rouler un peu nos coéquipiers pour aller chercher. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mon beau Brut qui a du mal hein, d'entrée. D'entrée des forts pourcentages. Emmené par un Adam Hansen des grands jours. Grippel là, je pense que c'est lui là qui galère un peu. Ouais. 1 km du sommet, Grippel va pas se faire piéger. Ouh. Ouh. Ça attaque? Non, un gars qui se replace. Il faut voir si. Ou Kittel qui. Qui hausse les épaules. Donc voilà, on arrive bientôt au sprint intermédiaire. Nizzolo qui est bien calé dans les roues. Hop là, on va demander à. À quelqu'un L'échappée du jour ne d'assister. convient pas à tout le monde. Didier, Le peloton a largement augmenté son Didier va rythme. chercher des bidons. On va mettre un petit x4. Hein. Désolé les gars, mais ouais, je suis obligé. C'est 32 km encore. Hop là. Je remettrai. Voilà, on va laisser un x2. Voilà, ils ont fait le sprint. Ils sont bien crevés à 20 km d'arrivée. Je comprends pas ça. Les gens qui font le sprint à 20 km d'arrivée. Nzolo qui est plutôt bien malgré son moins 1. Le peloton Il est reprend du terrain sur exactement par. l'échappée. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Par contre, c'est Le là. peloton a largement augmenté son rythme. La ligne d'arrivée est à moins de 20 km et Mais il y a es-tu toujours perdu plus par contre, d'une c'est minute là? d'avance pour l'échappée. Ah, c'est Le chaud. suspense reste entier. Parce qu'il n'y a personne d'autre. Je vais pas faire rouler Ejdal pour emmener Cancellara malgré qu'il soit gros. Pour emmener. Ouais, Cancellara donc. Je pense pas, ça sert à rien de l'épuiser sur ce. Ce genre d'effort. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappée. Hop là, du coup on va Les réussir à coureurs choper approchent un de peu. l'arrivée. Ils viennent de On va franchir le chercher panneau des 15 un derniers petit combat. kilomètres. L'écart entre le peloton et Cancellara là l'échappée en diminue. 2. Hop là. Vas-y Fabien. Hop là, route vers l'Arcetic Mac. Comme ça, il est aux avant-postes, Nizzolo, et il va pouvoir se faire emmener par une grosse machine suisse. Pas beaucoup de vent, comme Attention, une attaque à l'avant! encore. Ça peut aller au Malgré bout! qu'il soit de face. Voilà, malgré qu'il soit de face. Bon, Nizzolo qui est bien calé. On est en train de récupérer au fur et à mesure les Les coureurs des coureurs échappés, entrent malgré que dans les vos 10 derniers grenards. kilomètres de l'étape. Malgré que Le peloton vos vient de grenards. reprendre les échappées. Soit essayer de repartir. Le sprint massif paraît désormais inévitable. Cancellara qui emmène bien. Hein. Qui emmène bien Nizzolo, qui est bien placé, Giacomo Nizzolo. Ouf. Hop là, il faut changer de roue là. Il faut changer de roue. Faut prendre celle de Roland. Changer de roue, Oh non. On va faire rouler. Allez, Giacomo. Allez. Hop là. Ça va être le gros effort là pour Giacomo. Les Oh, coureurs approchent de Cancellara. l'arrivée, ils viennent de franchir le panneau des 5 derniers Cancellara. kilomètres. Voilà, c'est limite un. Putain de sprint. Un contre-la-montre qu'il fait là. Un gros contre-la-montre. Avec un gros boulot de Fabienne. Gros boulot. Avec 99. Pousser les boîtes. Faut voir qu'il sprint Fabien. Accélération 72, c'est pas grave. C'est toujours mieux que rien. C'est parti pour l'emballage final. Hop. Ah non! Non, je me suis fait enfermer par Cancellara. Merde. Bon. Allez, Giacomo, tu peux remonter.
Oh bien la con. Oh. Oh. Tiens comment. Tiens comment. Tiens comment. Tiens comment Nidolo. Tiens comment Nidolo. Quelle remontada. Non, Valverde. Non, sur l'emballage final, il a mis tout le monde d'accord. C'est une victoire amplement méritée. Oh, Nidolo qui allait chercher les. Valverde qui allait chercher les bonifications. Oh, mais quelle victoire de Giacomo Nidolo! Oh là là, qui était mal parti sur son sprint. Grepek qui s'est complètement affaissé. Complètement. En même temps, il a fait le sprint intermédiaire à 20 km. Et voici maintenant la sélection des meilleurs moments de la course. Ralenti. Il arrive là, boum, Grepel. Oh là là. Tout ça pour finir devant Elia Viviani et un boyou, à mon avis. Cancellara qui a très bien emmené, malgré qu'il le bloque. Victoire de Giacomo Nidolo. Victoire de Giacomo Nidolo. Deuxième victoire. Par contre, Valverde qui prend 3 secondes de plus. Nidolo 108 points. Ouais. Valverde 86, c'est le problème. Tankin qui a assuré son maillot bleu, qui est vraiment à lui, qui n'est pas là par procuration. Comme Dumoulin a toujours meilleur jeune. Oui, Star Team, meilleure équipe. Et voilà les gars, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis ciao, à la prochaine. On se retrouve demain pour une nouvelle étape de Valon. Ciao.